Comment réaliser un malaxage manuel? Ce qui est important au début, c'est de bien préparer ses matières. Je prépare mes seaux de sable, mes seaux de liant, mes seaux d'eau. Sur une surface plane, propre, je vais déverser mes seaux de sable. Je vais faire un cratère, je vais mettre mes seaux de liant au milieu et je vais mélanger le tout. Une fois que tout mon mélange sec est homogène, je fais un cratère et j'y incorpore l'eau. Une fois que j'ai incorporé l'eau, je remue le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. Avant de vider la gâchée, il est important de bien mouiller la brouette. Premièrement, ça permettra de pouvoir déverser correctement le béton. Deuxièmement, cela facilitera le nettoyage de notre brouette.